Bon, quelle est ta première analyse, ta première réaction après cette défaite? Je pense que on aurait pu bénéficier un peu plus de chance. On est bien reparti en contre, on avait fait un bloc défensif en première mi-temps, on repartait en contre, on avait quelques possibilités. Malheureusement, c'est pas rentré et direct après, on se prend un but, un peu dommage, c'est dévié, ça passe au-dessus du gardien, c'est moi, c'est triste et je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Surtout par rapport au match aller qui avait été un petit peu difficile pour vous, vous l'aviez dans la tête ou pas? Ouais, c'est sûr, le coach nous l'a rappelé, 6-0 c'est quand même c'est une claque et on devait réagir, mais je pense que malgré la défaite, on a quand même bien réagi, on s'est montré présent dans les duels. Puis on n'a pas trop subi, je pense, et moi je pense qu'on a quand même bien réagi malgré la défaite. On a bien tenu la première mi-temps, après physiquement Genk c'est un niveau au-dessus de nous, donc forcément ils ont accéléré un peu le jeu en deuxième mi-temps et ils nous font mal deux fois, donc voilà. C'était mission impossible aujourd'hui? Non, à vue de la première mi-temps, en deuxième mi-temps tout était possible, mais une fois que Genk a accéléré, c'est devenu un peu plus compliqué. Une fois qu'ils ont marqué leur premier but, après, pour revenir, c'est quand même assez difficile contre Genk. L'équipe a quand même tenu presque une mi-temps face à une équipe qui était ce soir un peu plus forte que nous. Oui, on doit reconnaître, on savait. Mais vous avez vu, il manquait juste deux joueurs. Le reste, c'est l'équipe type qu'ils ont joué jusqu'à maintenant. C'est une équipe qui... Ils ont un objectif, ils pensent à ça, sont toujours 100%.